Tu es auteur, compositeur, Et j'ai longtemps hésité sur le troisième élément, l'interprétation. Alors, je me suis dit, dois-je me définir comme un interprète? Puisque en m'écoutant, je ne sais pas si je me serais retourné sur le fauteuil. Ah oui, en référence à une certaine émission. C'est Oui, ça. tout à fait. Donc, Bah, oui, mais écoute. par la force des choses, c'est auteur, compositeur, interprète, puisque jusqu'à maintenant, auteur, donc j'écris, compositeur à la musique, et j'interprète jusqu'à ce que d'autres personnes m'accompagnent ou me remplacent. Donc, pour le moment, c'est ça. Donc tu as les trois casquettes Voilà. pour toi. Ouais, et ben si tu nous interprètes une de tes chansons, Eh bien oui, voilà, pourquoi pas? je vais le faire. Et puis comme j'ai sollicité votre contribution, Ah vous ben pouvez ça va être aider. un plaisir. Bon, Parce qu'en je fait, vais le super sujet, bien. voilà, nous sommes tous concernés par le sujet qui va suivre. Hein, donc c'est payer. Ah, bon, de toute Payer, façon, on fait ça. payer. On dit combien ben, qu'à payer. Donc, Pas fini de comme on dit, la liste n'est pas exhaustive. Donc j'ai pris quelques éléments. Donc la voiture, les factures, la toiture, les chaussures, les fournitures. Et aussi la confiture, quoi. Il faut payer tout ça. Ah ben, ça va être Merci chouette. gentil. Ah, c'est parti. Moi, je t'accompagne au Au cœur. feeling, il n'y a Ben, pas de souci. je ferai au mieux. Bravo, vous payez. Voilà, ben c'est ça, ben, bonne joie.
pas mis le choix, pas mis le choix. C'est payé avec le sourire, quoi. Voilà, c'est bel arrêt, mais garde mon sourire. Voilà. Donc voilà, source d'inspiration payée, pourquoi pas, ça coule de source. Voilà, mais c'est bien, et j'aime bien, c'est un prénom, c'est sympathique. Bravo. On paiera tous désormais avec le sourire. On va essayer. Donc voilà, ben, nous sommes toujours dans les milieux de BFM, toujours avec notre invité Harold Stewart, et nous allons poursuivre aussi, ben, de découvrir l'artiste, hein, toujours. Mmh. Alors tu ne fais pas que faire de la musique, c'est vrai que tu as aussi une plume, une belle plume. Ouais, une plume. Une plume bique, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça. Plume bique, donc tu as. Donc, je l'ai mentionné effectivement tout à l'heure, l'écriture. Donc, j'ai déjà pour composer, il faut écrire. Oui. Écrire une histoire, écrire. Donc, même avant la musique, j'affectionnais déjà l'écriture, la lecture. Donc, j'ai eu l'occasion d'écrire beaucoup. Pour d'autres personnes, et finalement j'ai pu compiler certains de ces écrits pour produire l'ouvrage que j'ai sorti en 2014, auto-édition, un ouvrage d'anecdotes où je parle de choses vécues ou observées, et un peu comme les fables de La Fontaine, il y a une petite morale à la fin. Surtout que le titre du livre, Livraison à domicile. Donc c'est, alors, dire comme ça ne signifie pas grand chose, mais il faut voir, effectivement, ce sont des mots. Donc livre, ensuite raison, ado, nos chers ados, miss, notre genre féminine, et puis il. Donc livraison à domicile, chaque mot signifiant et une signification pour donner. Une livraison, quelque chose qu'on n'a pas forcément commandé, donc on est surpris lorsqu'on sonne à notre porte, mais il nous appartient de saisir cette paix, voilà, qui nous est gracieusement offerte. Tout à fait. Donc il faut savoir, quand on donne, faut savoir recevoir aussi. Oui, tout à fait, même si on est surpris, après une rapide analyse, on se dit tiens, ce serait peut-être judicieux d'accepter. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'il peut avoir derrière. On ne sait pas, mais c'est de bon augure, manifestement. Voilà, ben, c'est bien. donc tu as tout fait tout seul, en fait. Vrai que c'est un domaine qui m'était connu, donc il a fallu que je fasse des recherches sur Internet, sur la pagination, comment ça se passe. Que j'ai plusieurs modèles de livres en main, que je vois un peu comment ça se passe. Mmh. Et puis il y a quelqu'un qui m'a fait la couverture, toujours avec mes instructions, ce que je voulais. Mmh. Et puis ça a donné ce travail, ce résultat. C'est un travail de longue haleine, surtout quand on entre les fichiers perdus, entre l'inspiration, la fameuse page blanche. Non, comme tu disais. Les pages blanches m'ont fait avoir des nuits de la même couleur. Des nuits blanches. Tout à fait. Donc après, mais est-ce que tu as pu avoir de bons retours sur ton ouvrage? Alors, ici, bien vendu, chaque vente était bien. Maintenant, je ne sais pas si on peut appeler ça bien vendu, mais c'était d'abord l'occasion pour moi de relever un défi, de vivre une expérience intéressante, puisque j'ai pu rencontrer beaucoup de monde à travers les sujets évoqués, violence envers les femmes,